Salam la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo en compagnie de Yacine, de Myriam et de moi-même. Tout le monde est un peu en stress parce qu'aujourd'hui... toi-même. Bah, je suis accompagné de moi-même, quoi. Je suis là, quoi. Aujourd'hui, tout le monde est en stress parce qu'il y en a un qui va avoir 100 euros, l'autre qui va avoir 20 euros, 10 euros. Vous allez voir, c'est un 24 heures avec différents montants. On va aller à la maison. Est-ce qu'il y a aussi 0 euros? Il n'y a pas 0 euros, j'ai pas fait le rat. On va aller à la maison tirer au sort dans les enveloppes. C'est parti. Il y a 3 enveloppes, on va voir qui a quoi, je commence à choisir. Pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. C'est moi qui commence à choisir. Je vais prendre la première. La première. Attends, tu choisis. Moi, je la sens pas, celle du milieu, je prends celle-là. Vas-y, bah moi je choisirai après. Du coup, vous avez quoi, vas-y. Commence à ouvrir toi. 20 euros pour Myriam, t'as 24 heures avec 20 euros. Ok, donc soit j'ai 100 euros, soit j'ai 10 euros. Fais attention, j'ai quoi? T'as 10 euros. Non. Et moi du coup, vas-y. 24 heures avec 100 euros, let's go. Vu que je suis la plus petite, je vais commencer par aller au restaurant, va super super. Comment ça au restaurant? Avant t'as... Sur quoi? Avant t'as... Oh, de la bière, c'est dégueulasse la bière. Avant t'allais au McDo, au Quick, maintenant tu vas aller au restaurant. Incroyable, vas-y ferme, je t'accompagne avec Yacine, on va voir ce que tu vas prendre. Ah ouais, elle a choisi le meilleur restaurant 2020. Tu vas prendre quoi hein? 2023. Non mais c'est le meilleur restaurant 2020 quoi. Comme ça 2020. Vas-y je te suis. T'as 20 euros hein. Dépasse pas les 20 euros, je te préviens. Vas-y va regarder. 20 euros pour tout Younes. Hein? 20 euros pour tout ce que j'achète. T'as 20 euros pour toute la journée, donc c'est à toi de gérer. T'as la carte en haut. Tu choisis ce que tu veux. Bah, je vais vous prendre une barquette de frites au cheddar, un cordon bleu. Et là, t'as des desserts, regarde. Et un tiramisu au chocolat. Un tiramisu au chocolat. Bien évidemment, monsieur Yacine qui va khalas. Viens, on va s'asseoir. On va trouver une bonne place. On se met là-bas. On se met là-bas ou là-bas. Ouais, viens, on va tout au fond. Viens, on va tout au fond. On va se mettre tout au fond là-bas, là. C'est parti. Tu commandes rien? J'ai un plan, c'est pas French Cantine, t'inquiète, on va aller après. J'ai 100 euros donc je vais mettre bien. C'est bon. Ça fait 19,20€. 19€? Ouais, t'as plus d'argent. T'as explosé ton budget, ça y est, t'as plus d'argent. Comment ça, j'ai plus d'argent? Bah, je te dis, tu vas au McDo, tu vas aller au restaurant. 19€, regardez. C'est pas bon le cordon bleu, il fait 15€. La frite, elle fait 1,50€ et le tiramisu fait 3€. C'est ça le restaurant, frère? Mais au moins, ça va être bon, t'inquiète. Un cordon bleu, c'est le cordon bleu, il fait 15€? Le cordon bleu fait 15€. Ça sonne, vous allez voir la dinguerie. Venez voir. Là, je dis, on n'est pas au McDo, on n'est pas au kebab, c'est un bon restaurant. D'ailleurs, tu débarrasses dès que t'as pris. Tu prends tes couverts. Tu prends fourchette, couteau, sac. Tu prends un verre aussi si tu veux. Et merde, prends un autre. On va prendre un verre. Il a l'air d'être beau le cordon bleu à 15€. On va en parler dans quelques minutes. Le plateau est arrivé. Je suis pas d'accord, après je vous dirai. On a des frites, quand même il y a beaucoup de frites. On a une petite salade, un tiramisu et ça, 15€. Alors si ça serait moi, j'aurais pété un câble. Pourquoi? Parce que moi je suis un gros porc, j'aime bien tout ce qui est gros et ça, c'est tout petit. Mais peut-être c'est hyper bon. Donc Myriam, tu vois. Je suis pas d'accord sur ça. Mais pourquoi t'aimes pas la salade? Mais on est en train de prendre un régime. Mais ça peut donner du goût, genre tu fais tac, tac, ça peut être bon. Goûte au moins juste un petit peu de l'air, c'est assez beau. Et la sauce, c'est quoi la sauce noire? C'est de la sauce spéciale ça, je sais pas. Profite parce que t'as que ça dans ta journée. Dis le smell de l'air. Normalement, ça se mange avec les mains, non? Assieds-toi. C'est pas très bon. Ok, bon, on va dire la salade, elle aime pas. Ah ouais, non, j'avoue, c'est pas bon. Goûte les frites au cheddar. Prends une bonne poignée. Ça normalement, ça se voit, c'est bon. C'est pas du vieux cheddar, normalement, c'est bon. Vas-y. 3,50€. Ah, là, c'est bon. Tu mets combien sur 10? 10 sur 10. La maison. Avant, quand elle était petite, je sais pas si vous vous rappelez, elle goûtait un truc, elle dit c'est grave bon. Elle dit tu mets 1. Et maintenant, nous, on veut voir ça là. 15€, mon pote. 15€. 15 balles. Attends, faut voir montrer à la caméra comment c'est. Je crois que c'est du vrai poulet. Vas-y, goûte. Sachant que elle, le cordon bleu, c'est son truc préféré, mais elle connaît que les cordons bleus genre de la boucherie. Incroyable. Incroyable, vraiment. La sauce et tout, c'est un truc de ouf. Ouais, ça se voit, ça sent bon. Avant de goûter le tiramisu, Myriam, là, elle en peut plus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout mettre dans la boîte. Pour manger à la maison, parce que le gaspillage, c'est pas bien le gaspillage. Mais les frites, je te mets les frites aussi. Mais les frites, jamais gaspiller la nourriture, il y en a qui ne vont pas à manger.
C'est très important. Très très important la mie. Et la salade, je pense que tu vas pas la manger. Vas-y, on va la mettre quand même là. Comme ça, celui qui veut la taper, il la tape. Voilà, comme ça, il n'y a pas de gaspillage. Et on va voir le tiramisu, c'est comment. Oh. Comme ça, hop. Alors, le tiramisu. Il est dans une boîte, déjà, c'est bien présenté. Ça se passe comme ça. Vas-y, goûte. Hein. Prends une bonne cuillère, comme ça, tu as toutes les couches. Prends toutes les couches. Il est incroyable, vous avez vu, c'est du fait maison. Peut-être tu payes un peu plus cher que McDo et tout, mais franchement, tu te régales parce que c'est fait maison, c'est incroyable. Là, je suis venu retirer 20 euros parce que tu vois, c'est pas propre. On va aller chez le coiffeur et je vais vous raconter un truc. La première fois qu'on est rentré chez le coiffeur avec Yacine, c'est pas la première fois, mais j'étais avec mon cousin. Genre en mode, on rentre et le coiffeur il voit Yacine avec sa grosse touffe. Alors Yacine, il venait même pas pour se couper, il a fait oula. Est-ce que tu te rappelles de ce moment-là? Je me rappelle pas, c'est quand? Tu te rappelles pas quand on allait avec Arissa, ça date. Et il t'a vu après, il a fait oula, après il a dit non, moi je coupe. Ah ouais, il m'avait dit coupe pas, c'est mieux de garder les cheveux, là, ouais, on m'avait dit. Arrête, elle t'avait dit quoi? Non, moi je coupe pas, je coupe pas. Moi, dites-vous, mes cousins Nassim et Arissa, ça fait longtemps qu'on les a pas vus, mais ils vont au coiffeur presque toutes les semaines. Eh, je sais pas comment ils font. Moi, j'y vais genre une fois par mois, c'est ça? Je vais à peu près une fois par mois. Eux, ils vont toutes les semaines au coiffeur pour refaire là. Moi, je vais une fois tous les 6 mois. Lui, toi, tu vas jamais, toi? Si, pour faire les points, une fois tous les 6 mois. Là, on va aller se couper. Je suis avec la Tunisie, là. Ouais, meilleur coiffeur. Faut venir ici, meilleur coiffeur. Ça vient de Djerba ou quoi? Djerba la douce, Adjim. Djerba la douce. Franchement, ils sont super bons. Vous allez voir, on va faire une petite coupe. Bon, la coupe, c'est classique, moi, vous allez voir. Liverpool Chelsea en plus. Ouais, en plus, il y a des matchs. Il est en vacances, l'autre? Ah, là, t'en es allé. En vacances. À Djerba la douce. Ah, il est parti à Djerba. Ah, mais il est là, Djerba. On verra bien. Ça va? Ça va, à Djerba, il fait chaud toute l'année. Toute l'année, mon ami. Jamais il pleut ou. 31 degrés, j'ai laissé au mois de décembre. Ah, ouais. Hein? Incroyable. Vous êtes bienvenu chez moi. Ah, ben merci beaucoup. Voilà, Klaufik, merci beaucoup. Bien. T'as pas rasé tout à l'heure? Allez. Bah oui, j'ai vu avec les vieux. Tu vas faire quoi, Younes? La boule? Non, pas la boule à zéro. Tu vas faire quoi? Non, là, je vais faire sabot 2. Et là, juste les points. Juste coupe un peu, moi, c'est tout. Ça y est, on sort du coiffeur. Petite coupe beau gosse. La bogosité, c'est en moi. Non, franchement, ils sont trop gentils. C'est incroyable. Ils font pas ça parce qu'il y a les caméras. Ils sont tout le temps aussi gentils. Donc là, il me reste. Sur les 20 euros, il me reste ça. Vas-y, tiens, je te les donne. Je te laisse la monnaie. Non, j'en veux pas, merci. Tiens, je te laisse la monnaie. C'est bon? Nous, on va à la maison parce que là, c'est l'heure de la prière et il faut pas rater la prière, les gars. Voilà, on est rentré pour faire la prière et vraiment, c'est très important de faire votre prière à l'heure. À 7 ans, normalement, il faut faire la prière. Bah, moi, j'ai 8 ans et je fais la prière avec mon frère Younes. Et franchement, faites la prière, c'est super important. Et n'oubliez pas que cette vie, elle passe très vite et que notre vraie vie, c'est dans l'au-delà. Je parle pour nos frères et sœurs musulmans et musulmanes. Après, chacun fait comme il veut et que Dieu, tous les jours, il n'oublie pas de nous bombardé dans un langage qu'on utilise de bienfait, c'est-à-dire on voit, on sent, on est en pleine forme, on court, on n'est pas malade pour certains, d'autres qui sont malades, que Dieu vous guérisse, mais en gros Dieu il nous met énormément de bienfaits, on peut manger, on peut faire beaucoup de choses, il faut remercier Dieu tout simplement, parce que sans lui, on pourrait rien faire du tout. Tu nous emmènes où là? Comment ça vous sortez? Moi je sors pas, on va aller au parc, je vais vous éteindre. On va voir les gars, il va nous emmener au Wonderful Land. Rappelez-vous la dernière fois, il était tombé comme un caca au parcours, vas-y va retenter. Ah ouais c'est vrai. Va retenter. Attends, tiens, regarde ce 3 points. Allez. Moi aussi je veux faire. Vas-y, allez-y. On va voir s'il va se venger de l'autre fois. Ok, attends. Quand tu veux mec. Ok. Je pense que la première épreuve, ça il va réussir. Un bon équilibre. Le truc qui tourne si tu tombes. Ouais, ça, si tu tombes, ça tourne. Ok, c'est passé. C'est là qu'il est tombé comme un caca. Tu peux le faire. Ok. Le prochain. Allez, il t'en reste une, mec, tu peux la voir. Allez, t'en reste une. Aïe. Ok, ça passe. Il en reste une. Ok, il l'a eu. Let's go. Pour l'instant, Myriam. Ça va, Myriam? Penche-toi en avant. Arrête de me pousser.
C'est bon, il l'a. Bien joué. Là, t'as bien pris ta revanche par rapport à l'autre fois. Yassine, il va les dégommer. Oh, il est tombé. Il a pas d'appui, lui, c'est chaud. Allez, oh! A few moments later. En voyant Myriam, j'ai grave bien réfléchi. Je me suis dit, je vais pas aller au restaurant, je vais pas aller dans un truc où je vais claquer tout mon argent. Je vais aller dans un magasin et on va faire un repas personnel. Je pense que je peux acheter plein de trucs. Est-ce que tu pourras m'acheter un truc? On verra, déjà c'est moi. Je vais acheter plein de trucs, on va se mettre bien. Là, je vais faire des économies, après je pourrais encore faire un autre truc. Je vais prendre ça. C'est déjà 8 euros, hein, mais vu qu'on est à 100 euros, en vrai je suis large. Ensuite, repas chinois, on va prendre des sushis, vu que ça coûte super cher. On a des box à 8 euros, des box à 9 euros. Des box avec des semelles dedans. Je pense que je vais prendre ça. Il y a de la semelle dedans. Elle fait 15 euros. Il y a de la semelle de chaussures. Comment ça, de la semelle? C'est pas bon ça. C'est grave bon, wesh. On va se rajouter des petits fruits rouges. Ça passe super crème en dessert. Ça fait un total de 36 euros. Non, ça fait déjà 6 euros, je crois, les deux. T'as quoi, MJ? Tu m'accordes un truc, s'il te plaît? Tu veux faire quoi? Prendre juste ça, c'est que 1,60€. Je te laisse faire. 4 ou 5. Comment ça, 4 ou 4? 4, ok, merci. Wesh, c'est abusé. 36, 38. En vrai, c'est 1,60€, ça va. 40€. Là, je suis déjà à 40. Et moi, je pourrais acheter un truc. Un paquet Kinder, s'il te plaît aussi. C'est combien le paquet Kinder? 3€. Je t'ai pas demandé des cigarettes, c'est un paquet Kinder, c'est pas des cigarettes. Que 1 alors. 43€. Et moi, je pourrais acheter un truc. Attends. Ok, c'est bon, c'est bon pour toi. Il n'y a plus de quinoa, donc je sais pas te demander du quinoa. Non, quinoa, j'achète pas, c'est pas la peine. De toute façon, il y en a plus. Et toi, tu m'as dit quoi? Moi, je voulais acheter un truc. Pour accompagner tout plus ça. Plus 1,44€. On va rajouter un petit ice tea, parce que Yassine m'a dit que c'est la meilleure boisson. 44€. Ouais. Ok, ça va pour l'instant. Quand on était petit, Yassine, c'était pas trop bien. Oh, mais c'est bon, moi, je suis une fille. Des toupies Beyblade, c'est incroyable. Putain, j'aimerais bien retourner en enfance pour jouer aux jouets. C'était trop stylé. Tu n'as pas des cartes Pokémon ou. Si tu veux, en rupture de stock Pokémon. Des vieux jouets. Bah, je prends ça. C'est quoi ça? 5 euros! Ah, regarde. Il y a quoi? Oh, il y a des cartes Pokémon. Il y a Elector. Mais comment ça, ils donnent déjà la carte Sulfura, Articodin? Ça, c'est des cartes de ouf, ça. Tu veux ça, c'est bon? 5 euros, ça. Mais ça sert à quoi? Non, mais c'est quoi comme jeu? Bah, c'est. Je sais pas. Putain, les enfants de maintenant. La nouvelle génération. Ou alors, il y a aussi de la pâte à modeler. C'est juste slime. On va voir, il y en a pour combien? J'ai déjà commencé. Moi, j'avais à dit que ça faisait 49€ les sushis, on va voir. Pour l'instant, ça fait combien, Myriam? 20€. 25, what? Plus ça, ça fait combien? Le saumon. Allez, plateau, s'il te plaît. Voilà. Ok. 25, ok. L'épice. T'en as pris 4 pour. Enfin, ouais. Forcé. 44€. 41. 46. Moi 46. J'étais presque, hein, j'étais 46 euros. Ah ouais, 46. 46 euros, ça va. Ça m'a donné vraiment faim. Ça se fait pas, toi t'as 5 euros, nous on a que 10-20 euros. Et c'est le hasard. Et chinois, ça fait grave longtemps que j'ai pas mangé, toi c'est ta gamelle. Je te laisse le cordon bleu. Non mais comment ça, je te laisse le cordon bleu? Je vais te proposer un échange après. D'abord, je vais tester le saumon. Tu peux passer un bout de saumon? Ça c'est vraiment super bon. Tu et à chaque fois, elle me gratte. Tout le temps, tu me grattes. Moi, je vais te proposer un échange. Déjà, je vais goûter. Bismillah. Ah. J'espère que t'es pas allergique. Yassine, il doit se dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Moi, je kiffe. Moi, du saumon cru. C'est du saumon. C'est grave bon. Ah, toi, tu le cuis? Ça se mange pas comme ça. Je sais, mais moi, je suis fou, j'aime trop. Alors, les sushis, regarde, je te propose un truc. Vu que toi, tu veux me gratter des sushis et du saumon, je t'échange deux sushis contre ton cordon bleu. Deux sushis? Ouais, deux sushis. Comment? Genre pas celui-là, avec la sauce. Celui-là, t'échanges celui-là et celui-là. Ces deux là. Et il y a de la vache qui rit et tout, ça a l'air d'être incroyable. Tiens. Et je te donne. Moi, t'aimes pas celui-là? C'est pas que j'aime pas, c'est que j'ai envie de prendre ton cordon bleu. Et un bout de saumon. Je te donne un bout de saumon. Vu que j'aime bien le chinois. J'ai envie de goûter son cordon. C'est pas chinois, hein. C'est quoi alors? C'est arabe. C'est des sushis, c'est pas forcément. Vous voulez goûter son cordon bleu? Je dis que c'est chinois. Il avait l'air d'être incroyable. Par contre, qui a dit que tu prenais mes frites au cheddar? Je prends pas tes frites. Ils ont mis une sauce blanche, ça a l'air trop bien. On continue avec le sushi, on va prendre lequel? Celui-là, il y a de la bonne sauce. Ça, c'est le plat préféré de Sofiane. Ah ouais? Je crois. Ils ont mis de la sauce samouraï. C'est darment bon, les gars. Tu sais qu'à ce qui paraît, ça c'est une insulte au vrai sushi du Japon et tout. Ouais, un jour, Inch'Allah,
Non, moi je veux. Je te le souhaite pas, je te le souhaite pas. Pourquoi ? La nourriture là-bas elle est pas évidente. Ça, genre, c'est une insulte aux vrais sushis du Japon. Les vrais sushis du Japon ils sont incroyables et ça, genre, c'est grave éclaté. Les gens, c'est ce qu'ils disent. Après, moi je sais pas. Tu vas où ? Ça se fait pas, il est à 100 euros, nous on peut même pas sortir ce soir et lui il va sortir. Tu veux que je te fasse quoi ? C'est le hasard, c'est comme ça. Tu veux que je fasse quoi ? Je fais quoi ? C'est pas de ma faute, j'ai réussi. Pourquoi tu boudes ? Vas-y les Khey, moi je vais vous laisser là, n'oubliez pas de mettre un like et abonnez-vous. Tu sais quoi, les 20 euros qui restent, regarde ce qui est fait. Les 20 euros qui restent, je vais les laisser pour une prochaine vidéo, Inch'Allah. C'est bon? Non! Vas-y, ciao, on peut rien faire dans cette famille.